Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que vous avez une information sans problème. Premier ministre étranger Jean-Victor Généus quitté pays à mercredi 9 mars là pour rendre dans pays Chili côté au participer dans l'investiture président Eli Chili à Gabriel Boris vendredi 11 mars qu'a vini là chef gouvernement a gain pour participer dans dîner président sortant Sébastien Pinera organisé pour chef l'état chef gouvernement yo chef gouvernement a gain pour rencontrer plusieurs personnalités dans occasion ça premier ministre Ariel Henry a retourné dans pays à dimanche 13 mars qu'a vini là c'est ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert qui remplacé Ariel Henry pendant absence li dans pays. Assistant secrétaire d'État américain en cap géré conflit yo Anna Witkowski mette bout dans visite li ta fait en Haïti sorti 7 rivé 9 mars 2022 pendant visite ça secrétaire d'État américain en cap géré conflit avec stabilité a rencontré plusieurs acteurs qui impliqués dans crise politique là dans pays a parmi personnalité ça yo li rencontré membre à Montana avec le premier ministre haïtien Dr Ariel Henry. D'après un tweet bureau primatia a publié pendant rencontre ça chef gouvernement montré volonté li gen pour établir un climat à la paix et puis poursuivre dialogue avec toute force vive nation. Tout ça a fait dans l'idée pour joindre un consensus qui permet de réaliser l'élection dans le pays, toujours d'après message bureau premier ministre. Sénateur Patrice Dumont, qui s'est signaté à Comontana, dit l'inormal pour parler à Américain, une façon pour garder comment pour joindre une solution dans la crise pays à connaître depuis quelques temps. Sénateur Wesla fait connaître une nécessité pour résoudre le problème plus rapide, surtout dans le contexte de guerre qu'a fait en Europe, qui est capable de gros conséquences sur la condition de la vie population haïtienne. Sénateur Patrice Dumont. L'Haïti, c'est que Haïti et besoin d'un autre deal avec le monde international et particulièrement avec les États-Unis. Cependant, dans la conjoncture nous y est, l'inormal pour nous parler avec les Américains, parce que c'est les Américains qui détient le pouvoir. Moi, je suis capable de dire position, envie de dire prioritaire. Position prioritaire qui n'est pas une position absolument prioritaire, parce que c'est une question de conjoncture. L'économie mondiale l'a affectée. Parce que l'Ukraine et la Russie, ils ont tous deux, ils ont un pifo dans le gaz, et c'est l'Ukraine, l'autre là, pifo dans le pétrole, de toute façon, ils ont tous deux pétrole, de toute façon, ils ont tous deux gaz, et gaz naturel. Et ensuite, question blé, et c'est blé, c'est quand même produit de base pour la farine. Pas de peuple au monde qui va manger pain. Tout le monde mange pain. Donc, pral gagner d'énormes problèmes et en pile difficulté, faut nous-mêmes bon, ici nous préparer nous pour nous contenter nous, pour nous limiter dans dépenses nous, parce que bah, il y aura extrêmement difficile. Et Premier ministre Ariel Henry pas répond à l'invitation Sénat République à Tifel, mercredi 9 mars là, non parlement, d'après président Gankoa. Sénateur Joseph Lambert dit a pour lancer invitation sa baye chef primatia en volontant dans objectif pour continuer chita parler à tout secteur dans vie nationale. L'idée c'est pour arriver joindre une solution dans un problème sociopolitique qu'a traversé dans le pays. Sénateur Lambert dit tout, il a continué avec une série de dialogues qui t'emmène avec diverses entités qui impliquées dans la démarche en Chine. Jeudi, le Premier ministre est supposé venir à midi, il n'a pas fait un signe de vie. Nous ne pouvons recevoir aucune correspondance officielle qui sortit de bon côté. Et nous gagnons et nous apprenons que le Premier ministre de fait là, il gagne pour les déplacer, pour les aller au Chili. Nous avons investi un nouveau président chilien et il est programmé pour le quitter jeudi à 2h. Ça, c'est information que nous gagnons sur le tas, mais nous ne pouvons gagner aucune information officielle à ce sujet. Et en principe, on a adressé une correspondance de manière formelle et officielle au Premier ministre de fait. Il revient au Premier ministre de fait s'il n'est pas venu pour rencontrer avec nous. Nous-mêmes dans le Sénat, pour une raison ou bien pour l'autre, que formellement, d'adresser nous tous en correspondance. Et, nous avons excusé nous auprès
de la presse qui était mobilisé pour échanger ça. Comment nous-mêmes, au niveau Sénat, nous sommes capables d'aider pour question ça reprendre. Parce que le Sénat avait un rôle de facilitateur ou bien un rôle de médiateur. Et c'est ça que fait par la même occasion, nous inviter tous les signataires de l'accord du 11 septembre demain. Et nous continuons à inviter, comme de fait on a invité, les signataires de l'accord de Montana, plus particulièrement le bureau de suivi de l'accord de Montana, pour que nous connaissions de quoi il en est et qu'est-ce qu'il faut faire. Si M. Ariel n'est pas présent aujourd'hui, certainement nous allons relancer l'invitation. Hein, et avec les gens qui veulent et les gens qui croient que je ne veux dire dans la démocratie, ça, c'est Chita Palais qui est capable de faire des résultats, eh bien, nous allons chercher nous-mêmes. Solution et solution, ça a demandé peuple à accompagner les gens qui jouent une solution et les gens qui vivent faire consensus là pour capable bailler et le temps. Et collectif Média en ligne, tel que le cabinet maternel Rémi, organisé une marche pacifique pour dénoncer Zak insécurité et vitalité qu'a fait ce journaliste. Manifestant au sorti champ de masse et puis passé plaisir avant yotal déposé un jet fleur dans zone côté yoté assassiné journaliste Maxine Lazare. C'était occasion pour demander justice et puis réclamer autopsie cadavre là dans l'idée pour arriver qu'on est dans quelles circonstances journaliste a mouru. En suivant extrait. Nous venons déposer un jet fleur dans mémoire Maxine Lazare. Frère nous, yo assassiné qui était justement. Il y a une caméra dans la main. Ce n'est pas tout le monde qui te gonfle dans la main. Ce n'est pas tout le monde qui te prend des munitions dans le pays. Nous venons là pour nous immortaliser les œuvres, monsieur. Nous venons là pour nous immortaliser le passé, monsieur. Parce que c'est le monde qui travaille pour la société émancipée. Nous voulons que y ait justice qui fait, y ait lumière qui porte. Nous ne sommes pas en quête de poursuivre encore. Il y a trop exemples qui tracent. Et c'est ça qui fait nous exiger. Avec Brana, responsable Brana, pour aider DCPJ. Balle DCPJ vidéo, parce qu'il y a des caméras tout partout là, nous sommes capables de voir ça. Derrière nous, on a des caméras, là, des caméras, pour aider DCPJ, pour enquête là, river, conclure, pour nous jouer une justice, pour Maxime Lazare. Et nous demandons justice aussi pour Amadi. Nous demandons justice aussi pour Wilgens. Il faut nous connaître comment M. Mouri, qui est-ce qui tient. Maxime Lazare a été assassiné le 23 février, côté là. Maxime Lazare n'était pas un bandit. Maxime Lazare n'était pas un gang. Il n'avait pas des ans de fusil d'assaut. Qui ça t'a fait? Il t'a couvri une manifestation ouvrière, côté au tapement de 1500 goûts. Je dis comme avocat, nous là, nous accompagnons Semel, nous accompagnons tous les journalistes. C'est pour apporter notre solidarité à tous les journalistes de ce pays. Et nous avons dit remerciement spécial aux autorités policières qui finalement permettent que la police accompagne nous. Mais nous avons dit en même temps, il faut que les brutalités policières cessent. Quitter les journalistes et exercer ce travail. Et nous avons tout lancé ce message là, encore une fois. Ministre Justice, ministre Santé. Docteur Demossi, pas qu'à faire autopsie cadavre Maxime Lazare. Parce que nous refusons le matériel. Nous refusons le moyen pour le travail. Eh bien, dans ce sens, nous tout profiter de marche pour encourager et même exhorter l'autorité, permettre que Docteur Demossi fait autopsie cadavre là pour que finirait la cafette. Plusieurs marchands à responsable organisation qui défendent droit femme plaignent pour insécurité à qui paralyser activité commerciaux. Mesdames Sayo, qui t'a répondu question télévision nationale d'Haïti, m'a dit 8 mars là, souhaité autorité au prend responsabilité pour permettre de régler les affaires commerciaux sans problème. Bonne d'Orléans avec Joseph Wilbich, a dit nous plus. Depuis à 13 ans, je suis dans le jardin à la cité Cadet. Dans 18 là. Je vais acheter encore, je descends de la ville, je vais vendre quoi pour ça. Madame Sarah Sayo souvent prend gros risques sous tête camion dans des camionnettes ou sinon des motos pour l'acheter et puis revendre dans le marché et dans la communauté côté à vivre. Bah, manger dans la caille, payer l'école, c'est quelques parmi raisons qui expliquent le niveau engagement femme Sayo dans la société. Il y a environ 43% de familles monoparentales dans le pays d'Haïti. Côté ces femmes qui battent de l'eau pour faire bain chaque jour pour occuper petit yo, faire éducation petit yo. Alors que papa yo là a pausé sans soucier de timoun yo.
situation ça malouk en pile. Trois pour famille mes amis. Premier impasse Aurélia, zone Cara 2, c'est là nous trouvons nous. Rentrée ça qui débouchait sous plusieurs blocs dans zone là, gain en pile activité commerce. Quelques nan femmes k'ap vann nan impasse ça décidé parler avec nous sur importance commerce là gain pour yo. Ça aide moi en pile parce que là dans le manger, là dans le timon yo bré, là dans le payer l'école pour yo, là dans le payer kay moi. Bien que la monter dans ti sol, ou pa ka payer. Lorsqu'ils vont koto faibli, so bali a yo baoul, moi y aide quand même. Si avant yo te kon acheter pour venir revendre sans difficulté, quoi là, pas gen bagay comme ça. Phénomène insécurité a paralysé activité mesdames sa yo qui c'est youn nan pilier économie pays a. Quoi des bouquets te vinn ba bon. Mais malgré ça, nous toujours risqué vie, nous aller sous moto. Nous pas prendre machine, nous aller sous moto, nous tourner sous moto. De même pour la ville là encore, la ville là pas de compte bon. Les te kon gen tire en pile de manquer mouille la ville là. Nous ta remè libre dans pays nous même gens longtemps. Nous te libre dans pays nous tout 10h, tout 11h nous dans la rue, n'a pas marché, pas gagné nous dans la rue, nous chita, n'a bay blague, qu'on n'a pas cal sur ken ti place. Ou pas qu'à faire ou serrer la caillou, ou une machine, ou envie courir, ou une moto, ou envie courir, ou pas contre qui ça pour faire dans le pays, ou t'as remis pour l'autorité ou dire un mot dans le dossier ça. Parce que nous pas capables, nous pas capables de vivre encore. À côté situation, madame Sarah Sayo, qui vient plus difficile, insécurité a baissé pouvoir population en gain pour l'acheter. Et directrice caisse assistance sociale là et d'une tonton visité mardi 8 mars là prison Famio dans cabaret dans occasion journée internationale droit Famio et d'une tonton distribuer kit hygiénique by prisonniers et puis promettre pour continuer à accompagner Winel Jean-Louis avec Ben à Marseille Abdi nous plus dans quatre visites dans prison Famio cabaret dans occasion journée internationale droit femme directrice générale CAS là et d'une tonton parler avec prisonniers yo tendez de l'ayancio. Et puis, bah, yo plus motivation pendant lui promettre yo si pour institution la dirige an. Thème visite ça c'est en protéger droit femme qui puis faire yo. En tant que directrice caisse d'assistance sociale, c'est un privilège pour moi la matin ensemble avec nous pour montrer nous que gen moun qui pensait à nous. Et pour me dire nous tout qui là courage. Pas la guerre. Ce n'est pas parce que nous sommes en prison qui fait nous manquer sous femme nous. Ce n'est pas parce que nous sommes en prison qui fait nous pas gagner droit que nous pas gagner mérite. Nous sommes femmes d'Haïti. Nous sommes proto-mitants société. Nous vite, mais nous pas tomber. Commissaire gouvernement Kwade Bouquet a annoncé qu'il va faire suivi avec le dossier qui sous contrôle juridiction Kwade Bouquet. Nous pas voyer monde dans prison monde qui pas mérité à la prison et sous dans prison tout et bien nous gagne pour nous pencher sous dossier là toutes fois que ou même ou sous compte paquet d'accord ou sous compte paquet nous va profiter ouais avec greffe là pour nous garder pour nous qui détenu nous gagne qui sous compte juridiction quoi des bouquets bah ouais qui n'a pas des bouquets et est-ce que gagne monde dossier mérité un traitement spécial, un jour spécial ça pour nous-mêmes. Tout le monde qui sous-compte quoi des bouquets ou a joué un traitement à dossier là. C'était occasion pour Fonds Assistance Économique et Sociale FAES distribuer manger cuit by prisonniers. Directrice générale CAS là remettre une enveloppe by chaque prisonnier pour permettre de répondre à besoin. Et directeur général Oufatma Karl François a présenté plusieurs grands axes à l'idée pour le travail sur yo. Pour une institution en plus efficace, Dr. Karl François mettait accent sur qualité service institution à bail qui n'est pas satisfait à Surio, sans compter recette ou Fatma qui n'est pas suffit pour répondre à ensemble exigences. Il y a un bout dans l'intervention, dans le micro, Louinel Jean-Louis avec Michel Joseph. Il y a des problèmes réels qui posaient par rapport avec Fatma. Côté, il y a plusieurs entités, il y a des médecins par exemple qui préférait qui était contractualisé avec Fatma pour recevoir sur eux, qui parlait réellement continuer recevoir assurer au Fatma eux, même le représenter avec carton. Et il y a deux raisons pour ça. Il y a une raison de allongement sur les traitements
dossier des fois qui est très long et par rapport au fait que bon, tout un série de problèmes techniques, mais d'une manière générale, durée de traitement dossier trop long qui décourage les prestataires de service. Deuxième raison qui est identifiée, c'est par rapport avec un barème de prestation de service qui l'a très longtemps et qui datait de 20 ans. Donc en d'autres termes, l'homme parlait de barème de prestation, c'est par rapport avec un niveau de rémunération de prestataires. Et là, là m'a parlé de l'hôpital privé et de médecins privés particulièrement, qui est trop bas. Donc qui fait que prestataires préfèrent faire malade dans le pays, assurer un pays, et puis assurer lui-même par son demande de remboursement au niveau de l'OFATMA. Maintenant, il y a tout une série de l'autre problèmes qui éventuellement posé, ok, et que nous allons appeler quand même à résoudre. Mais ben, c'est que question image au Fatma, question manque de connaissance de comment au Fatma fonctionnait réellement, sont bagages que nous allons laisser adresser, qui va le permettre que assurer au plus confortable et que mon en tout cas patron d'entreprise tout qui assure encore au niveau de l'OFATMA qui est plus confortable. Il y a une nécessité quasiment que toute entreprise d'une manière générale publique ou privée que vous contractualisez au niveau de l'OFATMA depuis plus que 3 mois. En fait, loi 1967 ans, c'est ça que dit. Donc une assurance de base qui doit normalement pour couvrir tout en par entreprise qui gagne plus que 3 mois là-dedans. Maintenant, ça c'est pour d'accord, introduction, ok, par rapport avec une série de problèmes que vous faites pas bien. Seul bagage que pour moi-même, ok, moins bah peut-être moins un agenda de travail pour résoudre par rapport avec vision que nous gagnons et nous bah peut-être nos agenda de travail sur 3 grands axes, ok, au niveau de OFATMA. OFATMA a tout un série de problèmes de ressources et de financement que le gain que nous devons résoudre. Ces dernières années, il y a une forte augmentation de ressources humaine au niveau de l'OFATMA d'une manière générale. Et il y a une forte augmentation de l'autre dépense tout, okay, pour toute qualité de raison, et qui fait au niveau de l'OFATMA. Donc, il y a un premier élément dans le cadre de travail que moi-même pensais que nous devons travailler sous lui, que nous devons travailler sous lui, c'est éventuellement augmenter les recettes d'OFATMA. Il y a une possibilité pour augmenter les recettes. Yo. Nous recevons des allocations, en fait on a l'allocation régulière du ministère des Finances pour programme auto-assurance et fonction publique là, et agent de fonction publique là, qui c'est un gros programme qui a assuré à peu près 100 à 110 000 employés de la fonction publique, y compris pensionnaires, okay, qui couvrent sous 4 programmes ça. Au Fatma, son gestionnaire d'assurance pour programme ça. Mais programme là, son programme qui appartenu à ministère des Finances. Et direction sanitaire La Tibonite lancé lundi 8 mars là une clinique mobile pour paysans plantés dans vallée La Tibonite. Selon directeur départemental MSPPA, activité ça faite sous demande Premier ministre Ariel Henry qui voulait marier santé avec agriculture pour faciliter paysans plantés au joindre soins santé. C'est dans condition ça, il y a capable d'arrêter en forme pour mener activité agricole selon responsable à Exalus Mergina. C'est Premier ministre haïtien, Dr. Ariel Henry, qui voulait voir pour la santé mariée à Kagrikilti, dans vallée la Tibonite là, qui demandait pour lancer clinique mobile ça, d'après directeur départemental, ministère santé publique et population la Tibonite là, Dr. Marcel Châtelier. Objectif clinique ça, c'est permettre paysans yo nan vale a rete en bonne santé pou yo ka mener activité agricole yo comme ça doit. Jodi a nou te vin fè un mariage en santé avec agriculture. Nous connaît que travail agriculteur, travail, c'est vrai que dans vale a produit
Mais à cause de carence infirmerie qui est en dans DVA, à cause de carence structure sanitaire, donc il n'y a pas de jeunes à la santé. Je dis à nous venir rencontrer le directeur DVA et profiter de joie pour nous faire un lancement, pour que nous allons supporter les frères par eux et pour nous commencer avec des activités de clinique mobile en dans Valley à même. Clinique mobile ça qui lancé lundi 8 mars là, dans l'occasion Journée internationale Famio, a duré plusieurs mois. Les deux permettent plusieurs milliers d'agriculteurs dans vallée la Tibonite là faire consultation et puis recevoir soins et médicaments gratis, toujours selon responsable de SA. Même département à travers le ministère de la Santé publique nous supportait en médicaments et en drogues. Parce que là, nous avons fait consulter, soit au moins, ou pas la prescription à la veille. Donc, il y a toujours un médicament gratuit. Et pour question GA, nous avons gardé pour nous même possibilité à l'avenir, si nous sommes capables de jouer les lunettes dans la prochaine clinique que nous avons fait, parce que nous avons un peu de problème. C'est plus passé une douzaine de médecins et infirmières cubains dans la cité indépendance là qui n'est pas mieux. Et spécialistes qui dans brigade médicale internationale cubaine ou nagounaïve cap soigner paysan yo. Y ont patients qui recevoir soin dans clinique mobile ça a exprimé satisfaction li. J'ai constaté mon satisfaction de ça et puis tout de monter une question bagaille. Pour qui sont devenus considérés là? Bon côté pâle, y ont agriculteur qui présentait tête li comme syndicaliste profiter alerter autorité sanitaire yo sous pile problème santé publique qui gagnait dans plusieurs régions. Balatibonite là. Et nous avons souhaité que nous continuions à travailler dans différentes communes parce que santé à malade dans le département de la Tibonite spécialement, dans notre section communale, côté que bagarre très dur, côté que les maladies et gratel là qui a fait travail pour côté paysan qui l'a gagné pour apprendre. Lancement clinique mobile ça a été fait dans le local organisme pour développement Vallée la Tibonite là au DVA en présence directeur général de l'institution, François Jean-Marie. Exalus Mer Jeuna Gonaïve, Télévision Nationale d'Haïti.